Bonsoir, mesdames et messieurs. Merci de nous choisir pour vous informer. Bienvenue dans cette grande édition d'information que nous allons démarrer par les titres. Extraction du colonel Claude Pivi, fin de cavale pour l'ancien haut cadre militaire guinéen. Ali Bongo appelle à la réconciliation tout en demandant pardon. Le Hezbollah veut riposter à Israël, les médecins très inquiets. C'était les titres, mesdames et messieurs, les détails dans un instant. Une fois de plus, bonsoir et bienvenue. Je vous l'annonçais dans les titres, le colonel Claude Pivi, figure emblématique de la junte militaire guinéenne, vient d'être extradé en Guinée après son arrestation au Libéria. Cet ancien ministre de la sécurité présidentielle, condamné à perpétuité pour crimes contre l'humanité dans le cadre du massacre du 28 septembre 2009, avait réussi à s'évader de prison il y a 10 mois. Son arrestation marque un tournant dans la quête de justice pour les victimes de ce drame. Suivez les détails. Depuis l'évasion à Conakry, à la sûreté, c'est le même jour là j'ai continué, ils m'ont fait accompagner par trois des gens qui sont venus derrière moi à la sûreté. Donc ils m'ont balancé directement pour aller en forêt. Je suis parti en forêt, arrivé chez moi dans mon village, j'ai fait trois jours, quatrième jour, j'ai traversé pour aller au Libéria. Le colonel Claude Pivi, un nom bien connu dans l'histoire récente de la Guinée, est de retour dans son pays natal, cette fois sous haute surveillance. Ce haut cadre militaire, autrefois au cœur de la junte militaire du Conseil national pour la démocratie et le développement, le CNDD, a été extradé en Guinée après avoir été capturé au Libéria le 17 septembre 2024. Il avait pris la fuite en novembre 2023 après s'être évadé de la prison centrale où il purgeait une peine de réclusion à perpétuité pour crimes contre l'humanité, notamment pour son rôle dans le massacre du 28 septembre 2009 qui a fait des centaines de victimes. L'homme, autrefois craint pour son expertise en combat rapproché et en maniement des armes, s'était réfugié en forêt avant de traverser la frontière pour se rendre au Libéria. Le ministre du Plan et de la Coopération internationale de Guinée vient de donner le coup d'envoi d'une campagne de sensibilisation destinée aux femmes des marchés de Conakry. Cette initiative s'inscrit dans le cadre du 4e recensement général de la population et de l'habitation, un projet national clé pour la planification du développement du pays. Mohamed Salema Toussila pour les détails. Dans le cadre des préparatifs pour le 4e recensement général de la population et de l'habitation, RGPRH, le ministère du Plan et de la Coopération internationale de Guinée a lancé une campagne de sensibilisation spécifique ciblant les femmes des marchés de Conakry. Ce choix stratégique vise à mobiliser ces femmes reconnues pour leur influence au sein des communautés, afin d'assurer une participation massive et un recensement précis. Moi, j'ai compris que c'est apolitique, que c'est pour le développement de ce pays. Ce recensement-là ne commence pas de 18 à X, c'est de 0 à X. Ça veut dire que toute la population est concernée. Mais ce n'est pas au marché qu'on doit recenser les gens. C'est dans leur quartier résidentiel qu'ils doivent être devant leur habitation pour qu'on puisse les recenser. Vous nous avez laissé un travail. Ce travail-là, c'est quoi? C'est de sensibiliser maintenant ces femmes-là pour qu'arriver dans leur quartier, qu'ils puissent aller se faire recenser. C'est important, c'est pour leur développement. Ce matin, nous sommes venus au marché Niger pour passer des messages de sensibilisation aux commerçants en vue d'accueillir nos agents recenseurs dans leurs ménages respectifs. Vous savez, le recensement est un outil de développement qui permet au gouvernement de planifier son développement en termes de nombre d'écoles, centres de santé,
d'infrastructures de transport, d'eau et d'électricité. Donc, nous avons passé le message et nous avons invité les commerçants à accepter d'accueillir nos agents dans leur ménage, à faciliter leurs travaux dans leur circonscription respective en vue de dénombrer rapidement la population de Kaloum, de Matam, bref, de toutes les communes de Conakry, pour que rapidement nous puissions planifier le recensement proprement parlé. Dans le cadre des préparatifs pour le 4e recensement général de la population et de l'habitation, RGPH, le ministère du Plan et de la Coopération internationale de Guinée a lancé une campagne de sensibilisation spécifique ciblant les femmes des marchés de Conakry. Le lancement d'une unité de transformation du manioc à Dantoumaya, un pas vers le développement économique local. Les images. Le district de Dantoumaya, situé dans la sous-préfecture de Samaya, a récemment inauguré une nouvelle unité industrielle dédiée à la transformation du manioc. Ce projet, initié par Sekou Ahmed Camara et financé par le PDG de Topaz, vise à produire des dérivés du manioc, notamment de l'achiké. La cérémonie de lancement qui a eu lieu en présence du préfet de Kindia, souligne l'impact positif que cette initiative pourrait avoir sur l'économie locale. En plus de diversifier les produits disponibles, cette unité devrait également contribuer à la création d'emplois, renforçant aussi la chaîne de valeur agricole dans la région. Ce développement marque une étape significative dans l'amélioration des conditions de vie des habitants de Dantoumaya. Toujours en Guinée, la société minière Kouroussa Gold Mine poursuit son engagement envers le développement de la communauté locale à Kouroussa à travers une série de dons d'une valeur de plus de 578 millions de francs guinéens. KGM apporte un soutien crucial à diverses institutions et groupes de la région. Retour sur une initiative qui illustre le rôle clé des entreprises dans le développement socio-économique des communautés. Les détails avec Kadia Toubari. La société minière Kouroussa Gold Mine, en abrégé KGM, a récemment réaffirmé son engagement en faveur du développement communautaire à Kouroussa en réalisant une série de dons d'une valeur globale de 578 460 124 francs guinéens. Ces contributions ont bénéficié à plusieurs segments de la population, incluant des groupements de jeunes, des femmes médiatrices, des établissements éducatifs ainsi que des infrastructures publiques comme le marché central et l'hôpital préfectoral. Lors d'une cérémonie officielle, les autorités locales et des représentants, dont l'ambassadeur du Royaume-Uni en Guinée, John Marshall, ont salué cette initiative. C'est justement dans le cadre de cette responsabilité sociétale et la bonne collaboration des communautés et autorités que nous procédons ce jour, sous votre honneur, à l'inauguration de quelques infrastructures réalisées ainsi que la remise de certains équipements et matériels de travail. Grand merci aux femmes et la jeunesse de Kouroussa pour leur soutien inconditionnel aux activités de la société de KGM. Et nous leur demandons de persévérer car l'avenir leur appartient. Je voudrais vraiment remercier KGM pour cette assistance et non seulement ce qu'ils ont fait, leur réponse positive à ma question, mais aussi les autres contributions, les autres offres qu'ils font. Aujourd'hui, les latrines à l'hôpital, l'équipement pour les jeunes, les ordinateurs pour les écoles, les choses comme ça. Ça montre que c'est une société qui met beaucoup d'importance sur des bonnes relations avec la communauté. Ce soutien matériel n'est qu'un volet des actions de KGM en matière de responsabilité sociale. Dans une lettre ouverte au peuple gabonais, l'ancien président Ali Bongo Ondimba, destitué lors d'un coup d'État, reconnaît ses échecs et plaide pour la libération de sa famille, suscitant des réactions mitigées parmi la population. Suivez. Ali Bongo, ancien président du Gabon, a récemment fait parler de lui en publiant une lettre ouverte dans laquelle il demande pardon à ses compatriotes.
et appelle à la libération de sa femme Sylvia et de son fils Nourdine, emprisonnés depuis le coup d'État d'août 2023. Dans ce message, il reconnaît les insuffisances de sa présidence et se présente comme le responsable de la situation actuelle. Cependant, les réactions des Gabonais sont variées. Si certains accueillent son appel à la réconciliation, d'autres remettent en question les sincérités de ses intentions. Le fond de son message n'est pas sincère, parce que j'ai l'impression que son mot, sinon son pardon, est de manière intéressée. S'il était sincère, il devait commencer déjà à demander à ce qu'on libère aussi des gens que lui-même il a mis en prison. Je serais tenté de vous dire que si nous répondons avec le cœur, ça risque d'être compliqué. Or, notre obédience chrétienne voudrait que nous pardonnions. Sauf que c'est compliqué. Le pardon, on accepte le pardon. Le Gabon, nous sommes unis. Et j'aimerais qu'on le pardonne et que nous repartons sur une nouvelle base. Le chemin vers un véritable pardon national semble semé d'ambition. Tant que les inégalités dans les demandes de libération demeurent au cœur des préoccupations des Gabonais. La communauté de Shell New Road à Freetown est en deuil après l'effondrement d'un immeuble de 7 étages qui a coûté la vie à 15 personnes et blessé 7 autres. Cet incident tragique soulève des questions sur la sécurité des constructions à Sierra Leone. Suivez les détails avec Latifa Lama. Le quartier de Shell New Road à Freetown est plongé dans le chagrin suite à l'effondrement d'un immeuble qui a entraîné la mort de 15 personnes et blessé 7 autres. Suki Inato Bangura, une résidente affectée, exprime son angoisse en attendant des nouvelles de plusieurs membres de sa famille toujours portés disparus. Ils ont dit que ma belle-mère, deux de mes demi-frères, deux enfants de ma sœur et l'enfant de la sœur de mon beau-père n'ont pas encore été retrouvés. Cela fait 3 jours depuis l'accident et nous n'avons même pas vu leur corps. Ce drame s'inscrit dans un contexte alarmant alors que des incidents similaires se multiplient à Freetown. La mauvaise qualité des matériaux de construction et le manque de règlement ont été identifiés comme des facteurs contribuant à ces tragédies. Si à Shell New Road, après des jours de recherche, les gens espèrent toujours retrouver certains de leurs proches disparus. Selon l'Agence nationale de gestion des catastrophes, il faut davantage de machines pour accélérer le processus de recherche. Face à cette crise, le ministère des Travaux publics a promis de prendre des mesures pour renforcer la sécurité des constructions en recrutant des experts et en améliorant les normes de construction. Cependant, malgré ces promesses, 2024 est déjà marqué comme une année tragique pour les effondrements en Sierra Leone, laissant les familles en proie à la douleur et à l'incertitude. Les habitants de Shell New Road espère une action rapide et des changements durables pour éviter de futures pertes. Face à une éventuelle escalade entre Israël et le Hezbollah, les médecins à Beyrouth tirent la sonnette d'alarme. Une guerre pourrait réduire considérablement la capacité des hôpitaux à secourir les victimes potentielles. En effet, l'inquiétude grandit au Liban après les explosions de beepers piégés attribués à l'État hébreu qui ont fait au moins 37 morts et des milliers de blessés. Kadia Soubari pour les détails. Le chef du Hezbollah, Hassan Nasrallah, a admis jeudi avoir subi un coup sans précédent après les explosions meurtrières de ses appareils de transmission au Liban. Il a averti qu'Israël recevrait un terrible châtiment. L'Iran a également promis une riposte écrasante. Ces tensions préoccupent particulièrement le docteur Salah Zain de l'hôpital universitaire américain de Beyrouth. Nous avons retiré des vis et des ressorts des yeux, des mains et du visage de certains patients. C'est vraiment une idée diabolique. L'armée israélienne a annoncé jeudi soir avoir mené de nouveaux raids aériens au Liban contre des systèmes lance-roquettes du Hezbollah. Le mouvement pro-iranien a promis de continuer d'attaquer Israël depuis le Liban en soutien au Hamas jusqu'à la fin de l'agression à Gaza.
À Springfield, Ohio, la communauté haïtienne fait face à une nouvelle vague de stigmatisation après les accusations infondées lancées par l'ancien président Donald Trump. En pleine peur et incertitude, les habitants cherchent refuge dans la solidarité et le soutien communautaire. Mohamed Salemat aussi là pour vous en dire plus. Parmi les immigrés haïtiennes, suite à des déclarations controversées de Donald Trump, les accusant de manger des animaux domestiques, ces propos tenus lors d'un débat électoral ont créé une stigmatisation inattendue, transformant la communauté en cible de méfiance. Les Haïtiens auxquels j'ai eu affaire, et j'en ai d'ailleurs quelques-uns qui louent pour moi personnellement, payent leur loyer, ils s'occupent de leurs affaires. Ceux que nous avons aidés dans notre église ont payé fidèlement leur loyer. Ils ont fait ce qu'ils étaient censés faire, car personne ne veut retourner dans un pays déchiré par la guerre. Pas seulement une guerre, mais aussi des tremblements de terre qui se sont produits. Et l'association Family Need essaie de rétablir la dignité de toute une communauté. Que vous soyez haïtien, italien, chinois ou autre, nous avons essayé de prendre soin de notre population d'un point de vue social. Et c'est ce que nous faisons. À Springfield, leur histoire souligne les conséquences dévastatrices des discours politiques sur les populations vulnérables et l'importance cruciale d'un soutien local face à la stigmatisation et à l'injustice. Valeureux téléspectateurs, ici prend fin cette édition d'information. Tout le plaisir était pour moi de vous servir. Où que vous soyez, bonne suite de programme sur Ibiam Soul TV, la chaîne panafricaine. Au revoir.